Once upon a time, there was a god named Duma and a goddess named Mila who fought each other bitterly for an age. Hey, why did Mila and Duma have to fight so much? Couldn't they just say they were sorry? Let's promise we'll never end up like that, okay? Yeah, nothing will ever come between us. Strange sort of way. I wonder why the marks are so similar. It's because they're special. They prove that the two are together. Always. That is, if you're not already tired of a clod like me making you laugh. Of course not. So, do you mean it? We'll always be together? Yes. I promise. Isn't that what you want? Yes, of course! You have my word. I'll never leave. We did it! We actually did it! Look at him run, Grandpapa! So, wait. How did we do that exactly? It's all in the wrist. You wish. We only survived because we did exactly as Sir Mycen commanded. Oh, yeah? Does that mean Sir Mycen commanded you to sob like a baby? How can you guys joke about this? Grandpapa, Celica, that was great! What? You're not happy? We saved the village from those despicable knaves! We're heroes! I mean, if nothing else, we're not dead. You could at least crack a smile. Alm, you don't understand. Now that they know Celica is here, they will stop at nothing. It's no longer safe for her to stay in the village. Oh. What? Forcément. Why? It doesn't have to be like that. C'est quoi son rôle? Tell him, Celica. I'm so sorry, Alm. I know that you would have kept your promise. Don't apologize, Celica. Just tell me that this is a mistake. That you don't have to go. It is already settled, and we lack the time to discuss it further. Get back to the village and pack your things, Celica. Hurry. Yes, sir. Hold on a second! Explain this to me, Grandpapa. Why are you making her leave? I want to know! No, my boy. I fear that's a page you don't want to turn. Not yet, at any rate. Oh, great. Now you're talking in riddles? I won't let you do this to her! She needs me! You, a foolish boy who won't listen to reason? Voilà, remise en place. Celica has proven she has the strength to make hard choices. Yet what of you? Please, don't take her away. Would you mind looking after something for me? Oh. But this is your good luck charm. You never take this off. It's mignon. Special. Yes, it is. And now it's yours. I want you to keep it close always. As close as you would have kept me. Oh. My mother gave that to me. Not that I actually remember, but... Celica, I can't take this from you. You're not taking it. I'm giving it. I pray that it keeps you safe. Take care, Alm. Wait, Celica! Well, this turned into a fine mess. We don't know why she's leaving or even where she's going. And whatever Sir Mycen knows, he isn't telling the likes of us. Hey, not everything is our business. I just feel bad for her, you know? She and Alm are different from us. Different? In what way? In every way. Ah. Ils sentent quand même la différence en fait. Ils ont bien précisé qu'ils sont différents d'eux en fait. Enfin qu'ils sont différents des autres gamins. If I try to say goodbye to him, I'll just end up crying. Grandpa, Sir Mycen, where will I go next? I have a place in mind. Perhaps it's time to call on an old friend. Under his care, I am certain your enemies will never find you. Forgive an old knight for failing you, Princess. Had the mother willed it, I would have stayed by your side and protected you to my dying days. But I cannot leave Ram Village. Not yet. You don't need to apologize, Sir Mycen. I regret nothing. The days I spent here with you and Alm were wonderful. The experiences I had and the friends I made all mean the world to me. You don't have to be my shining knight, Sir Mycen. You just have to promise to always be my grandpapa. Oh, c'est trop mignon. Of course. Celica! Cette petite manière de rechercher un petit peu l'affection. You came for me. I want to make a new promise. One day, when I'm older and stronger, I'm going to find you. It doesn't matter where the world hides you or how long it takes. I promise to find you. So please, don't forget me, okay? I could never forget you, And I promise too. I'll be waiting for the day we can meet again. But for now, I have to go. Grandpapa? Yes, child? Do you think I'll ever see him again? I do. So long as destiny wills it. Destiny. So be it. Elle fait une petite promesse derrière, mais elle a besoin d'être rassurée, c'est mignon. Ah, on a notre premier écran titre. Once the gods themselves walked these lands. Our continent of Valentia was home to two of them, sibling gods named Duma and Mila. The elder god Duma believed mankind must be ruled by strength, lest we become corrupt, while his sister Mila believed we should be free to pursue lives of pleasure and comfort. The two clashed ceaselessly. It was a long, dark age before the bitter conflict was resolved with the binding of a divine accord. Valentia would be divided in twain, with Duma ruling the north and Mila ruling the south. And in order to secure a lasting peace, each pledged never to violate the other's dominion. For millennia, this accord was honored, and peace did indeed reign. In time, the kingdom of Zofia, which Mila founded in the south, prospered with the goddess's love and blessings. Hers were a happy people who knew no toil and lived free of hardship. But Mila's gifts spoiled the Zofians, and it was only a matter of time before they sank into depravity. Oh, il a à peine la peau sur les os, quoi. In the north, Duma had built his own empire, tempered by harsh lands and the even harsher teachings of their fierce god. The people of Rigel had grown strong, but in their quest for power, the Rigelians had let their hearts grow cold and numb to all kindness. Both halves of the continent were in a fragile state, and the cracks had begun to show. And now, Valentia lies on the cusp of a terrible war that could forever alter its history. Chapitre 1, l'appel de Zofia. En 401. Ça veut dire que ça fait à peu près 7 ans plus tard. Les gamins ont eu le temps de grandir. Oh, ils s'entraînent avec Mycen. Tellement cool quand même ce genre de petite scène. En plus, même sur le détail, en fait, on voit toujours qu'il est gaucher, quoi. En fait, c'est agréable, ça donne de la personnalité un petit peu au personnage. We both know I'm not old. Well, good. Then that means you're ready to let me travel outside the village. Oh, yeah. Son objectif peut-être. But why? I'm not a child anymore. You just said I can fend for myself. If I meet with any dangers, I'll have my sword and my wits. That's not what this is about. Then what is it about? Look, I've heard from the others. I know the drought's made Zofia a scary place. People are starving, and many have turned to thievery and plunder. Brigands loot villages for a mere sack of grain, and soon they'll be at our door. And don't think I haven't heard what the Rigelian army has been up to. They've been crossing the border for years in violation of the Divine Accord. And with that sacred bond broken, now the terrors have resurfaced as well. All true. Zofia is full of innocent people who are looking for help. Please, Grandfather. I want to make a difference in a world bigger than a handful of houses. I want to see all the amazing places you've told me about. That Celica told me about. Suppose you do set forth with your sword and your wits. So what? Will the grand story of your life be how you met the end of a brigand's axe? Before you dream of changing the world, learn your damn placement. And no more talk of leaving. Alors je sais pas s'il est surprotecteur ou pas en fait. Ou si vraiment, ah, il a vraiment peur de que Alm soit trop naïf. Every day in this place is exactly the same as the next. I know I'm meant for more than this, but you have to let me find it. Huh? What's all the commotion? It's coming from the gates. Carrément, là maintenant j'ai droit à un petit menu particulier. Ok, on a la possibilité donc du coup de parler. C'est quoi ça, la touche R? Il n'y a personne à qui parler. Si j'appuie sur la touche R, je peux zoomer, me déplacer. Ah, mouton. C'est dingue en fait. Genre, en appuyant sur la touche R, je peux examiner ce qui se passe un petit peu autour. Du coup, là, je ramasse des oranges. Manger. Quand j'étais petit, je grimpais souvent sur cette orangée, j'en suis même tombé. C'est ouf, il y a plein de trucs à examiner. Ah, c'est quoi ça? Trace de brûlure. Et il y a quelques temps, Cliff a lancé un sort de feu ici. Oups. Donc Cliff serait devenu un magicien alors. Des bûches. C'est là qu'on coupe le bois. Passionnant, je sais. Cogner. Oh! Genre, le moindre petit détail peut être intéressant en fait. Genre, tu pourrais ramasser des armes par-ci par-là et tout. Ouais, je pense que j'ai fait un peu le tour là. À moi qui s'intéresse au ciel aussi, mais je pense pas, hein. Donc ça c'est examiner. Examiner en fait c'est déjà le raccourci de la touche R. Elle ne fait aucun raccourci. Explorer me permettrait de me déplacer. Et le menu. Pour pouvoir sauvegarder. Apparemment ordre c'est quoi? C'est... Il a bien gagné en stats hein. Je me trompe peut-être. Il avait pas 28 PV hein, tout à l'heure. Par contre là je peux pas faire le petit plus pour voir le personnage en modélisation 3D. Là 1, Flostim 401, 401 ça doit être l'année. 1 Flostim je sais pas c'est quoi, c'est peut-être le jour ou le mois, un truc comme ça. Au niveau des guides, ok. Et au niveau des options, qu'est-ce qu'on a? On a les animations, entre animations, pronostics, combat. Simplifié, normaux, on va appeler ça normaux. Passer les actions, le jauge des PV, oui, gris aussi, non, on va pas le mettre. Ah voilà, même en appuyant sur la touche B, ça peut mettre explorer en fait. La touche X permet d'arriver directement dans le menu. Du coup, t'as un petit peu une touche pour tout en fait. What I wouldn't give for some food. It's been years since we've had a proper harvest. Can't grow much without rain. Why has Mila forsaken us? What's happened to the Earth Mother? She's killing us by withholding her blessings. The Regalian Empire will seize our lands, and we'll be too weak to resist. You've heard how well-trained their soldiers are, haven't you? We've never toiled or fought for a thing, and we're about to pay for it. What I wouldn't give for some food. Watch. The Regalian Empire will seize our lands, and we'll be too weak to resist. You've heard how well-trained... Il fut un temps où Ram était connu dans tout le royaume pour son vin. Malheureusement, personne n'en a produit depuis bien longtemps. Toute la haute société de Valentia en commandait par tonneau. S'il en reste quelques bouteilles, elles doivent s'être bonifiées à la perfection. Un vin ayant si bien vieilli doit avoir un bouquet extraordinaire. J'aimerais tant pouvoir le goûter avant que Mila ne me rappelle à ses côtés. Ouais, donc c'est ça, je pense qu'on est du côté Mila. Well, if it isn't Alm, you all finished with today's training? I still remember when you were only this tall, and now look at you. Sir Mycen has certainly made a strong young man out of you. I say Sir Mycen, but the story is your grandfather was once a famous general. General Mycen. I always wondered why such a fellow would end up here. Then again, the woods around Ram have become dangerous as of late. Perhaps it's for the best that we have him. And you to keep us safe. Ah, ça veut dire qu'il a quand même sa place en tant que protecteur. Qu'il est utile au village. It's good to know our plight has the nobility so grief-stricken. King Lima dances at the end of Chancellor Desaix's puppet strings. The king would rather eat grapes and frolic in a seraglio than actually rule. It's no wonder the kingdom's being torn apart by rebellion after rebellion. I wish someone would come along and save us from ourselves already. What's that? The Mother Mila? Like I'd waste my prayers on a goddess as useless as her. Eh ben, ça c'était clair en tout cas. De la farine. Carotte aussi, elle me faisait de l'œil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin? La survie du village dépend de ce puits. Ah, si je vise quelque chose comme ça, ça me balance un message par défaut. Mais bon, je vais quand même m'intéresser que aux points particuliers, je pense. Alm, hey! This fellow's here to see Sir Mycen. He was just about to tell us more. Sorry, pal, but I still can't trust a man in full armor. Il a été traumatisé. On your hilt while you talk to this guy, yeah? A knight? Can you believe it? What's he doing in our village? You'd have to practically ride off the edge of the map to find this place. On va lui parler après. Alm, how is sword practice? Everything go okay? Sir Mycen is far too hard on you. I hope you don't have any new bruises. He's sure come a long way just to find a whole lot of nothing. Whatever he's here for, I hope he hasn't brought any trouble with him. J'aime bien en fait le design des personnages. On voit qu'ils ont tous la même armure, donc ça fait bien sur le fait qu'ils viennent tous du même endroit en fait, et un petit peu de la pauvreté du village entre guillemets. Bon, je vais un peu fouiller avant, On parlera à Lucas après. Ou Lucas. J'y suis peut-être allé un peu fort avec l'entraînement avec Gray. Cette barricade improvisée suffit à repousser les bandits à cheval. Du haut de cette tour, les gardes surveillent les environs. Tobin s'est sans doute entraîné à l'arc dans les environs. Si un brigand s'aventurait dans le coin, grand-père se chargerait de l'accueillir. Il se repose toujours encore sur le grand-père. Good day. You must be Sir Mycen's grandson. Alm, was it? My name is Lucas. I fight for the Deliverance. The Deliverance? What's that? Aren't you one of the Knights of Zofia? The King's Knights? Oh, I see. I suppose that means word hasn't yet reached your village. In that case, please forgive me for heralding such dark news, but King Lima IV is dead. He met his end some days ago at the hands of Chancellor Desaix. Attends, sérieux? C'est le roi qu'on avait vu? I fear so. It seems Desaix sold Zofia to the Rigelian Empire, along with his soul. No doubt they promised him lands, perhaps even a title. Upon Lima's death, the Chancellor and the Rigelian army seized Zofia Castle and began to visit unspeakable injustices upon the king's people. Sir Clive, of the Knights of Zofia you mentioned, would have none of it. He formed an army to free us from Rigel, and named it the Deliverance. However, we are outmatched and fast losing this war. We need a hero's aid. And so, I have come to the home of one of Zofia's greatest heroes, Sir Mycen. Do you see, Alm? Sir Clive would not have sent me were it not urgent. Will you take me to see your grandfather? Yes, of course. Good goblets. I knew Zofia was in hot water, but is this guy serious? So there's going to be a war? There already is one by the sound of things. C'est juste qu'ils étaient un petit peu trop reculés pour en faire partie. If Sir Mycen rides off to war, what'll happen to Alm? You got me. Lucas, were you able to speak with my grandfather? What did he say? He said no. Sir Mycen made it clear he has no intention of joining the Deliverance. What? But he's ridiculously strong. He could defeat some stuffy chancellor with his eyes closed. Why would he refuse when so many people are suffering? I cannot speak to Sir Mycen's thinking, but it seems we misplaced our hopes. I'll have to return to our hideout and bring Sir Clive the ill news. Perhaps Mycen has simply grown too old for the battlefield. It was good meeting you, Alm. I must be on my way. Thank you again for your assistance. Je sens que Alm il est tenté mais de fou. He's not old. He's tougher than men half his age. Lucas! Wait! What is it? I'll go. J'en étais sûr. I'll join the Deliverance. You? What the hell? You can't do that. Wait, can he do that? I'll admit, you fight like a beast and they'd be lucky to have your sword. But this isn't sparring with your Gramps, Alm. You're volunteering to go to war. I know what it is. And if Grandfather won't do it, then I'll do it for him. Consider my sword as his. I understand how you feel, but... Sir Mycen has been teaching me to use a blade since I was a boy. I've received tutelage in military tactics, medicine, weather, terrain. I know as much about war as any man who has never seen one can. Let me fight for you with my grandfather's gifts. I'll prove he's no cowardly old man. He's a warrior who trains warriors. Oh. Il a quand même un objectif, hein? Lucas a quand même tenté un petit peu à le dissuader, mais Alm a réussi à le convaincre. He has a hero's blood in him, and clearly a hero's fire. His presence is sure to raise the troops' morale. And for my part, I'm curious to see what a self-proclaimed warrior can do. Especially now that he'll be doing it for the Deliverance. Thank you, Lucas. You won't regret this. I've seen a lot of cake-taking in my day, but this really takes the cake. Alm, you should back out of this. It's far too dangerous. If anything were to happen to you, I mean... Just don't do it, okay? J'ai l'impression que ça va être la hileuse du groupe. Bonne idée, pars en guerre et amène tous tes copains avec toi. J'ai bien fait de jouer en débutant. Ah non, elle c'est l'arc. Are you insane? We were sparring with wooden fences and tree trunks. They don't hit back. Oh, sod it all. I'm not as bright as I'd like to think I am, so count me in. Gray, not you too. Me too, Toby Poo. It's better than waiting for Rigel to reach Ram and kill, slash, enslave us. Might as well bring the fight to them. But you're gonna... I mean, once they... You have my thanks, Gray, and the Deliverance welcomes you. In the end, we need every able fighter we can get. There will be much to learn, but I can teach you a great deal in battle. And you'll be given a proper wage, of course. Wait, you mean we get paid? As in actual... Ah, ça pourrait les intéresser. Of course. Our soldiers work hard and sacrifice much. We would be remiss not to offer compensation. I've got little brothers and sisters who could use that gold. Ma and Pa struggle to make ends meet. But if there's a way to help... J'aime bien, il a ce petit côté à vouloir protéger, enfin aider sa famille. J'ai trop hâte de voir comment il va le prendre en fait. Take all the time you need, Alm. You should pay your respects to Sir Mycen. J'ai l'impression qu'ils veulent en coller une. Can you believe it? The king murdered. What do you suppose happens now? He has no heirs, you know. Not anymore, I mean. They say Chancellor Desaix himself murdered all of them in cold blood. Anyway, hope this Deliverance knows who they'll be delivering to that throne. I heard what the knight said, but it sounds like a load of horseplop to me. Everyone knows it's Zofia's fault that Rigel invaded in the first place. King Lima refused to help the Rigelian Empire during their famine, remember? And we all know the Emperor didn't take too kindly to that little slight. Such a shame. The kingdom and the Empire had been getting along so well. The king may be dead, but his choices live on. Ain't that always the way of it? Bon, lui, il est toujours sur sa bouteille, en fait, le pauvre vieux. Is it true you're leaving the village? You'll be sorely missed. Just be careful here. The woods outside Ram are dangerous enough. But once you're through them, you'll hit Fleecer's forest. The place is crawling with brigands. No one gets through that wood alive. En fait, ils ont vraiment pas l'opportunité de pouvoir quitter leur village, hein. C'est un truc de dingue. Grandfather, I'm home. Do you have a minute? There's something I need to speak with you about. Grandfather? Huh. Where is he? Grandfather? Grandfather! Non. Me dis pas qu'il est mort. Attends, où est-ce qu'il aurait pu passer? Oh, there he is. Over here. Tobin, does this mean you're coming with us? Sure am. I can tell Mom and Pa we're worried, but I think they'll understand. Listen, everyone. Try not to be amazed when I show Alm up on the battlefield. You know they don't pay extra for that, right, Moneybags? There's nothing wrong with fighting for coin. Many people do. We don't have any rule stating one's reasons must be noble. Now then, Alm, were you able to say goodbye to your grandfather? I tried, but I couldn't find him. Well, that is vexing. I suppose we could tarry here a bit longer if you... It's all right. Let's go. Oh, are you certain? I can write him a letter. Come on. We can't wait forever. So be it. Il est aussi pressé que ça de partir, de quitter son village. Oh, Lucas, Gray et Tobin. Mais du coup, Faye, elle est pas venue. Et ni Cliff. Donc là maintenant, je me retrouve avec la possibilité de pouvoir quitter le village. You know, I guess I don't mind going along. The Deliverance is fighting all across Zofia, right? Well, I've always wanted to see the world, and now's my chance. All I have to do is not get killed. Easy, right? C'est ça. Attends. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là en fait? Genre j'ai pas le choix de prendre les deux en même temps. Si lui il est magicien, l'autre elle est archère. Du coup ça fait deux unités à distance. J'ai peut-être pas le choix de prendre l'un ou l'autre. Du coup, je suis plutôt tenté de prendre Faye en fait. On va faire une petite sauvegarde. Je sais pas pourquoi mais je sens le choix là. Vas-y. I'm staying with you no matter what. End of discussion. Ok. Dis-moi que je peux recruter Cliff. Huh? Now you want me to come with you after all? Make up your mind. Ah, c'est bon, j'ai eu peur pendant un moment, je me suis dit je pouvais recruter que l'un des deux. Mais c'est bizarre de te proposer ce genre de choix en fait. J'espère juste qu'il va pas y avoir un délire, genre comme dans Fire Emblem, je crois que c'était Shadow Dragon, c'est un truc comme ça. Celui avec Mars, où justement en fait, en fonction des chapitres, t'avais pas la possibilité... Bon attendez, je vais balancer la suite déjà. Voilà, donc en fonction des chapitres, en fait, t'avais pas la possibilité de recruter telle ou telle personne si t'avais plus de 15 unités déjà dans ton groupe, ou moins de 15. C'était tout un délire en fait. Am I sure about what? Not saying goodbye to your grandfather. My mom and pa have all my brothers and sisters to look after them. I mean, sure, they'll miss me, or I hope they will at any rate, but family will help them get by, you know? But all Sir Mycen has for kin is you, and all you have is him. C'est vrai ça, moi j'ai l'impression en fait que Mycen il est resté juste pour Ram. Never let me take one step outside the village. I doubt I could have talked him into letting me join an army. Not that it would have changed things either way. I have to go, not just to prove him as a teacher, but to prove myself to me. Well, you've always wanted to put Ram behind you, right? This is your big chance. Your first adventure writ large. We'll call it Alm's Epic, or maybe The Tale of Gray. Plus that one guy. I don't think so. Although, I admit, there might be a little something to what you're saying. C'est le pote un peu marrant. It's almost as if I feel someone calling out to me. So you really have gone crazy then. Well, it's been nice knowing you. Look, I know how it sounds, but it's the truth. Do you think it's Celica? What? Celica? Where the heck did that come from? Oh, please. You two were inseparable while she was here. You barely made any time for us. I guess that's true. Maybe it is her. Celica. Are you the one who's been calling me? I know that you're out there. I just don't know where, but I can feel it. I hope this journey will bring us together again. C'est mignon. First, we should make for the southern outpost. La vache. Il y a des ennemis partout. Desaix's men hold it for now, but my fellows in the Deliverance have been fighting to reclaim it. The Deliverance hideout lies beyond the outpost. We'd best prepare ourselves for a long journey. Ok, donc là, avancer, placer le curseur sur A, mais appuyer sur A, ok. Tac. On peut avancer, déplacez-vous avec la manette et appuyez sur A pour entrer dans un bâtiment. Oh, il y a trop de choses, c'est trop mignon comme truc, comme interface. C'est un fait un petit peu l'interface qu'il y avait sur Game Boy Advance avec justement les volets qu'il y avait dessus. Et le fait de pouvoir rencontrer les ennemis sur le terrain. Un groupe d'ennemis se trouve sur votre chemin à lancer la bataille, bien sûr, mon gars. Bataille, bois de rame. Ok, c'est juste un petit placement. Oi, travelers! Afraid I'm gonna have to ask you to stop right there. These here woods belong to me and my boys, see? So, if you want to be passing through, you're gonna have to pay the toll. Si je devais payer chacun des pions. Well, that didn't take long. Brigands already? But it's only been minutes. We're still within sight of the gates. T'imagines, ça fait 3 minutes tu sors de ton village, ça y est, hop, tu rencontres des brigands. Jamais tu le quittes ton village. Come on, let's clear this rabble out. Face joueur. Oh, trop cool la musique. Alors cette musique, je l'ai entendue la première fois justement sur Fire Emblem Echoes. Et du coup, j'avais bien kiffé en fait le rythme en fait de cette musique-là. Elle était assez entraînante. Donc on parle des unités, de l'expérience, blablabla. Donc comme d'hab, vos unités faibles portez le coup de grâce. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en gros, même si ton unité elle est pas très forte et que tu voudrais juste lui faire gagner un peu d'XP, le plus important c'est de mettre le coup de grâce. Le coup de grâce, ça te rapporte le plus d'expérience possible sur l'unité. Et plus entre guillemets, j'allais dire le gap, le fossé entre ton personnage, enfin le niveau de ton personnage et le niveau de l'adversaire et tout. Et grand, plus tu vas gagner un petit peu d'XP, capé jusqu'à un niveau par entre guillemets combat entre guillemets. Donc là on parle encore de l'expérience, en gagnant des points d'expérience, ça s'améliore. Ok. Donc on va appuyer sur Start pour fermer ça. Mais le truc c'est que Alm, mais what, qu'est-ce qu'ils me font? Alm il est niveau 1, il est tout faible. Gray il est niveau 5. Lucas niveau 2. Mais attends, ils ont tous une éval à 50 à peu près. Ah oui, l'éval en fait c'est un petit peu le cumul de tous les stats quasiment je pense. Entre PV, attaque, tech, etc et tout. Et ça donne une estimation entre guillemets de la puissance de ton unité. Mais du coup tout le monde est T1 en fait, c'est tous tes premières unités. Et j'ai pas compris pourquoi en fait il me demande. Mais Gray c'est un truc de malade, il est niveau 5, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fout là? Donc déjà, hop, Alm, on va lui faire gagner quelques levels. Ça, c'est une hache. Est-ce qu'on parle du triangle des armes? Ouais, parfait. Donc du coup, je vais juste l'approcher ici. Qu'on voit, vivre. Attends, j'ai accès à ça, tout ça? Soin 10. Ah, ça se bouffe carrément! Ah mais c'est trop cool en fait, genre carrément c'est pas des potions ou quoi que ce soit pour récupérer de la vie, c'est vraiment genre de la bouffe. On va attendre ici. D'accord. Ok, c'est Alm qui possède le convoi, donc du coup en fait ces unités si tu veux en profiter un petit peu du convoi, il faut que tu le rapproches de Alm pour pouvoir récupérer et bouffer des trucs. Mais j'ai pas fait attention, est-ce qu'il est possible, genre je vais me mettre ici. Non, Lucas, tu vas pas bouger. Toi non plus. Cliff, tu vas t'amuser un petit peu, mais avant... Objet, voilà. Manger. Échange. Ah, j'ai déjà un pain avec moi. Donc là, je vais faire un échange, finaliser l'échange. What? J'ai pas compris. Ça veut dire que là, j'ai déjà un objet sur moi. Ah, ils ont déjà des objets avec eux. Et ils ont un petit smiley autour du visage. Enfin, juste à côté de... des PV. Ça me perturbe en fait cette petite icône là. Donc toi on va te placer ici. Elle est pas archère, je comprends rien. Elle était pas archère dans Heroes. Après peut-être Heroes, ils ont voulu déconner un petit peu en mettant elle comme archère. Je sais pas pourquoi, mais Lucas en fait j'ai pas envie de l'entraîner. C'est bizarre hein. Oh 6. Pas très fameux. Ok, je le fois 2 déjà. Non, mais je le fois 2, mais en mode bigleux un peu. Qu'est-ce qui se passe? Zone de danger. Appuyez sur X pour afficher la portée de vos ennemis. D'accord, surveillez bien la position, tout ça. Le truc, c'est que je le finis pas lui. C'est pas ouf en dégâts en fait avec mes unités pour le moment. Alors lui je le x2 déjà, ça c'est sûr. Du coup on va pas se gêner. J'aime bien le fait qu'il ait couru derrière et tout. Genre il a vraiment fait une traversée, c'est marrant. Lucas, je perds au triangle des armes non? Même pas, il n'y a pas de triangle des armes ou quoi? Mais genre depuis quand la lance ça fait aussi mal sur une hache? Alors j'essaie vraiment de gratter, de voir comment je peux faire pour... Ok. Parce que je cache pas que j'aimerais bien que tout le monde gagne un petit niveau dans ce combat-là. Alors soit je le finis, et après je prends le risque de me faire cartonner par lui, et par lui. Ou soit je le recule d'une case, et il l'attend. Bah. Oh. C'est marrant, ils ont fait que du placement, ils ont pas voulu attaquer. Mais par contre ils attaquent les unités qui sont capables de double hit. J'aime bien en fait cette animation en fait, mais je sais pas pourquoi elle est là. Donc là... Non, si tu rates ton attaque en même temps. Ça va pas le faire. Mais peut-être que ça va le faire. Ouais. Again. 36, ça donne pas de niveau. Ah, c'est radin. Okay, I'm ready. Ah, je vais taper tout le monde. Je me suis dit j'allais au moins avoir des unités qui font genre une mort, un level, parce que c'est le premier combat, un truc comme ça et tout, histoire de se mettre bien, mais non, pas du tout. Oh, ce petit coup des stocks, c'est pas mal. Alm qui a pris un peu de temps avant de monter, ça veut dire que lui, il aura des difficultés à monter de level au début. Mais je pourrais compter sur lui quand même au niveau des stats. Bon voilà, au début je voulais pas jouer avec Lucas. Ouais voilà, tout le monde en a tapé un moi. De l'exp bonus ? D'accord, ça c'est cool. Yes, we've won. That was some fine swordsmanship, Alm. I can see you have more than a bit of your grandfather in you. You think so? Ok, donc là maintenant je sais à peu près comment ça fonctionne. Du coup, je vais arrêter la vidéo ici. Ça fait déjà un très bon deuxième épisode. Donc, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Là, pour l'instant, je suis vraiment à fond dedans. Je pense que je vais continuer davantage des vidéos sur Fire Emblem Echoes. Ça commence à m'intéresser de plus en plus en fait, donc du coup je vais me concentrer vraiment sur cette série là pour le moment. Donc voilà, on se retrouve très vite, je vous fais plein de piles pour tout.